Moi, je vais vous présenter la base de Disaster 2. Alors, je vais commencer par le véhicule Agents. Ça va, vous voyez, c'est cette petite camionnette. Il y a Agent Chase, ça commence en volant. Il y a des lampes. Voilà, ici, il y a un petit tableau de contrôle. Ici, il y a Agent Musty avec un casque et une mitraillette. Et ici un pneu de rechange. Donc voilà, je vais récupérer le véhicule Agent. Et maintenant, je vais vous présenter la base de Disaster 2, parce que j'en avais une autre. Alors, on va commencer par ici. Alors ici, c'est la prison. Alors lui qui garde la prison, c'est Killer Robot. Alors lui, vous voyez, il a une paire de lunettes comme ça. Et après, vous voyez, voilà, et après, la porte. Pourquoi il y a la prison? Et ici, là, c'est un couteau. Alors, voilà. Lui, c'est Cyclops, avec sa mitraillette, comme ça. Il y a un petit pont pour accéder ici. Ici, alors c'est le bâton, un volant, pour s'asseoir comme ça, de l'eau. Ici, la moto, pour ouvrir. Poubelle, gilet de sauvetage, sac. Et ici, il y a encore un gars, c'est le robot. On comprend. Et ici, là, c'est l'infirmerie. Alors, lui, c'est le robot infirmier. Voilà. Porte un casque. Il y a un ordi. Oui, là. Deux arbres. Et là, c'est le bureau du disaster. Comme vous voyez, il y a un grand siège. Voilà, l'actualisation. Et il y a deux volants. Et là, c'est l'ordi. Et là, derrière, c'est la porte. Et ici, je vais vous montrer ça. C'est le centre d'informatique. Alors, il y a des barrières. Un ordi, un Tokiwoki, il y a l'aile rouge. Ça monte. Il y a encore un artiste, ça monte. Et après, on a les produits chimiques de disaster. Après, on va aller par ici. Alors ici, c'est la salle robotique, il y a le lion. Voilà. Il y a le work on, avec un ordinateur. Et après, si c'est un... Comme vous voyez, là, il y a le chopper de disaster. Ouais. La fenêtre. La fenêtre, comme ça. Alors, je vais pas vous montrer tous les détails du chopper, du projet chimique et de disaster, mais vous pouvez voir ça dans notre film. Et après, on va aller au devant. Qu'il y a une porte, ce grand truc blanc là, mais en fait il y a un truc qui bloque la porte pour que ça s'ouvre au préalable, mais si on enlève la porte, vous voyez comme ça, elle peut passer, et après il faut la faire glisser comme ça. Il y a l'ordi, c'est pas le faire la porte. Donc voilà. Et ici, il y a encore des paires de mitraillettes, un radar. Alors, donc, et ici encore, j'avais oublié, c'est une mitraillette cachée. Donc, voilà. Et ici, là, c'est une porte. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère
à une prochaine fois et on a d'autres films. C'était Pimp Casper Creations. Et... Au revoir.